Hey, salut à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Aujourd'hui, petit haul de chez Emma et ce sera une graine. Je suis désolée, je suis enrhumée donc vous allez entendre, je parle un peu du nez, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de m'exprimer au maximum correctement. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Donc, on va commencer par ce sera une graine et après Emma. Donc voilà, allez, je vous passe tout de suite ce sera une graine. Pour ce sera une graine, on commence par ce petit calendrier de bureau qui se pose comme ceci, avec à l'intérieur là pour le mois de janvier, c'est comme ceci. Il y a des petites cases, je pense que ça suffira juste par exemple pour mettre les rendez-vous, les examens, les choses comme ça. Donc voilà, tout petit mais pratique pour mettre sur le bureau. Et il y avait d'autres coloris aussi, il n'y avait pas que celle-là, mais moi j'aime beaucoup la couleur bordeaux. J'ai trouvé ça, c'est pour créer votre propre calendrier de l'Avent. Bon, j'ai encore le temps de réfléchir aux idées, des petites choses comme ça. Il m'a coûté 5,60 €. J'en voulais un, j'en avais trouvé un sur, comment ça s'appelle, sur Amazon, mais il coûtait vraiment trop cher. Donc j'ai vu autant, j'ai vu celui-ci vraiment par hasard au magasin Sostre Graine. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai pris aussi, là c'est marqué Souvenir de Noël, c'est du thé. J'aime beaucoup leur thé chez... chez Sostrengren. Là, je sens plus rien vu que je suis vraiment malade. Mon nez est bien bouché. Mais vraiment, je vous jure, quand j'ai senti la première fois, j'ai vraiment eu cette Madeleine de Proust, si on veut parler comme ça. J'ai vraiment ces souvenirs en fait de mon enfance pour Noël. Donc c'était vraiment agréable, donc c'est pour ça que je l'ai pris et je vais le tester, je pense, bientôt. J'ai pris ça, je ne sais pas si aussi dans votre enfance vous utilisez ça avec un stylo. J'en ai pris deux parce que je vais tester de voir si je peux faire à l'école aussi ou faire des modèles et après les enfants à eux de faire de colorier. Je vais voir comment je vais gérer ça. Donc voilà pour ce strand grain, je vais passer tout de suite à Emma et je vais vous parler d'un petit truc de chez Emma. Donc déjà chez Emma il y avait des promotions sur le popcorn, les chips, et moi j'ai pris des popcorn pour faire un après-midi chill. C'est salé, je pensais que j'avais pris en fait c'est des popcorn sucrés et salés que j'ai pris, je viens de voir, c'est marqué sweet and salty, sucré et salé. Donc on va voir si c'est vraiment bon ou pas ce petit mélange. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petites choses pour Halloween, par exemple, pour faire des petits muffins. Ils sont trop mignons. Je trouvais que les petits pots à muffins étaient très très mignons. Je vous mets évidemment les prix ici, comme d'habitude. J'ai pris aussi leurs bombes. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Les chocobombes. Là, d'Halloween, avec dedans chocolat chaud au vermicelle et marshmallow. Donc à voir si ça va être bon ou non. Si je l'ai fait, je pense que je vais tester aujourd'hui où je fais la vidéo, comme ça je vous montre juste après vite fait ou ici comment ça rend si vous voulez le résultat. Donc voilà, après c'est cette tasse-là. J'ai pris une petite tasse qui m'a fait penser trop à mon chat. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Avec dessus il y a écrit Cuddless please. Et dedans en fait vous avez une petite figurine de chat, évidemment c'est collé à la tasse, mais je trouvais trop trop mignon. Bon, faut pas mettre du chocolat chaud dedans, je pense que ce sera plus pour le café. Après j'ai pris quelques trucs déjà pour Noël, dont une tasse que j'avais vue, que j'ai trouvé très très jolie, ce mug. Je pensais pas qu'elle était si grande. En fait elle est énorme, elle fait presque la taille de ma main, la tasse de sapin. Avec un bon chocolat chaud, un petit miel dedans. Et ça va être vraiment pas mal du tout. Très joli. Évidemment, on ne la met pas au micro-ondes parce que c'est comme de l'or. Je ne veux pas avoir des problèmes avec mon micro-ondes. Très dommage de l'abîmer. J'ai pris aussi pour Halloween. Ça, je trouvais ça trop mignon. Un petit kit de peinture citrouille à faire. Il y a, je sais pas combien dedans, une citrouille en plâtre et après, des peintures. On va voir si c'est pas mal ou pas. Et après j'ai pris des petites guirlandes parce que je vais prendre un tout petit sapin cette année pour Noël.
Donc j'ai pris une petite guirlande ronde comme ça. Et ils avaient aussi une normale avec de la couleur dedans, avec de la couleur. J'avais vu envie de mettre un peu de couleur aujourd'hui, cette année. C'est à pile, donc c'est pas sur secteur, c'est à pile. Et on peut mettre soit l'intérieur, pour l'intérieur celle-là, et celle-là pour l'intérieur et l'extérieur. Je sais que celle-là aussi, elle allait pour l'extérieur aussi. Vu que Emma vient d'une marque, est une marque qui a été fabriquée aux Pays-Bas, en Hollande. Donc c'est pour ça, en fait, Miffy, c'est un Néerlandais qui a créé ce petit dessin animé-là. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu quand vous étiez plus jeune. Moi, quand j'ai vu la photo, je m'en suis souvenue. Elle avait toujours un petit ballon dans sa main. Après, je me souviens plus comment est fait le dessin animé, mais j'ai des vagues souvenirs quand même. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, c'est ça. Donc voilà, donc j'ai pris quelques, je trouvais très mignon les chouchous. Après, comme vous voyez, c'est juste avec un peu mout ici. Et celui du milieu vert, il est avec le petit lapin. Des petits post-it comme ceci, ils sont trop mignons. Vous voyez, il y en a pas mal dedans. Il y en a 400. 400 feuilles de post-it. Il y a plusieurs couleurs. Il y a deux bleus. Ah non, c'est. Il y a deux bleus, deux roses, deux oranges, deux jaunes. Pas mal de verts et de blancs. Après, on a ici ces deux petits autocollants. Donc, trop mignons. De lapin. Après, on a or, on a vraiment pas mal de petites choses, mais c'est toujours lapin. Je suis sûre que vous allez reconnaître ce dessin animé. Après, j'ai pris des petits fluos aussi qu'il y avait dans un petit sachet. Ils sont trop mignons, ils sont en forme de lapin. Et dedans, vous en avez pas mal. J'ai même pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pris l'étiquette. Et vous en avez 4, 5, 6, 7, 8. Vous en avez 8 dedans. Voilà les coloris dessus. Voilà les coloris que vous avez dans le petit sachet pour les fluos. Une petite bouillotte pour l'hiver. Et en fait, il y avait avec un masque pour les yeux pour dormir comme ça. Comme ça, vous avez votre petite bouillotte et vous avez ça sur votre tête pour le week-end où il fera très froid. Deux mots comme ça parce que je vais tester de faire des petits chocolats. Vous savez, vous faites les chocolats et après vous mettez au frigo et normalement ça devrait comment faire comme des petits des petits chocolats en fait. J'ai pris ces deux mots pour faire des petits chocolats pour Noël. Je trouvais trop trop mignon les formes petit lapin. Et après je sais plus si on est au congélateur, non mais pas au congélateur mais au frigo, et normalement ça doit durcir en fait ces petits chocolats. À voir si je fais chocolat blanc, on va falloir que je regarde des recettes pour ça. J'ai pris un lot de fournitures pour le bureau, où dedans vous avez pas mal de petites choses. J'ai pas encore regardé, j'ai vu que la boîte était ouverte, donc j'espère qu'il ne manque rien du tout. J'ai pas vérifié au magasin. Et dedans vous avez deux crayons, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Vous avez des washi tape, deux washi tape, hop, comme ceci. Vous avez aussi des petits trombones en forme de lapin, une petite gomme, un petit taille crayon avec son réservoir, mais je pense que le réservoir il va être rempli assez rapidement. On a un petit carnet qui est juste ici et des petits autocollants dedans. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ah, ça doit faire au moins la 10e fois que je refais pas l'introduction, mais la fin de cette vidéo. En tout cas, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous connaissiez ou non cette petite peluche Miffy. Moi, à part si j'avais pas vu la photo sur internet et que j'avais pas entendu que c'était un dessin animé, je m'en serais pas souvenu, mais pas du tout. Donc, j'ai rien d'autre à vous dire. Si, juste prenez soin de vous. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!